Welcome to Bicang Hangit, sa. Et l'eau là, c'est le dé, à quoi tu peux respirer. Ça me coffre, mais d'un la casse. Ah! Mais ben, conseiller là, va trouver. Mais ben, conseiller là, c'est pas fait ce travail bien comme en bizarre. Ce travail là, tu fais comme en bizarre. Il est parti pour comme ça aujourd'hui là. Ben, camarade qui me suit sur Facebook. Mon fan chez tout dans le cimetière Bigara, que pip. Et hier, c'était carême catholique qui commençait. Alors, nous venons rendre un hommage au ben grand du monde qui est enterré ici. Et voilà. Comment je le cas trouver l'état cimetière. Comment nous connaissons que la municipalité supposée occupe cimetière gardé dans l'état correct. Le ministre Jagarpal qui peut faire campagne tous les jours pour dire dingue. Je prends ma précaution. Et je pense que vous avez commencé par une autorité. Une autorité comme une municipalité qui est responsable d'un coup de main pour une dingue. Mais là, comment vous trouvez le cimetière dans l'état qu'il était? Mais vous venez faire la prière, ou bien vous venez rendre une visite au grand du monde qui est décédé. Si vous prenez dingue dans la case, si vous quittez vos familles, et si vous familles quittez vos voisins. C'est un qui appelle dingue, ça dingue. Je suis habitué dans des sacs d'élection qui viennent, qui mènent moi au tout voter. Mais un message pour nous, PPS, donc il y a plus maintenant au DPM, de blague déjà dans le vent. Mais avec ça, l'état pour nous, cimetière était là. Et quand même, moi aussi, pas pour vous dire que ça coupe là. Mais il est dans l'âge. Get Sanko, Vicky, get Sanko. Respect ce pénal et pour nous, bandit mon mot. Bien entretenu avec. Pour la mairie, hein. Bien entretenu pour la mairie. Ça fait pour la mairie. Nous sommes prêts là-dedans. C'est vrai, plein moustique là-dedans. Allez, dévite-tu. Où est-ce que tu as dévite-tu. Vous avez passé et puis on peut parler. Fait honte. Mais oui, sinon, faut qu'on la fasse. Faut prendre d'un la case. Après, faut faire ça en famille, pas deux. Oula, on a réussi dès 11h30. Regarde ça. Donc, quand je vois moi, dès 11h30, si tu as la bougie là, si tu as une cigarette là, tu as demandé un fois qu'il nettoie la grande croix là. Tu peux arrêter de nettoyer ça. Faut penser à amener nettoyer ça. Regarde ça quand je te manque trop de pire là-dedans. Welcome to Kuyapip. De toute façon, nous ne pouvons pas blâmer aucun même employé de la mairie de Kuyapip. Non, pas du tout. Parce qu'il ne fallait pas oublier, il y a 30 tampons de cimetière. Il y a 4 personnes qui sont responsables pour nettoyer. Il y a des machines pour travailler tout ça gazon là. Et surtout avec tout problème qui gagne, les temps de Kuyapip, la pluie, etc. Plus grand fautif. C'est nous bien conseiller. C'est nous les meilleurs qui peuvent prendre l'initiative pour donner plus l'équipement. Et c'est surtout nous PPS avec le DPM qui. Pas existé dans Kepip. DPM, ben n'a pas dit, hein, moi pas connu, moi j'ai même croisé dans Kepip. Et PPS, un peu pour l'envoyer. Un peu pour l'envoyer. Et pour pas être bias, moi les autres même jugés d'état de nos cimetières, l'état, quand nous avons dit mon mot reposé, soit disant nous reposons en paix, mais quand nous autres reposés, je ne peux pas croire. Dans saleté, oui. Et dans dingue, oui. Et dans malpropreté, oui. Et moi j'espérais si. Je sais, un élu du gouvernement, qui est conseiller, qui est des maires, qui est PPS, qui est député, qui est DPM, encore et dans la main propre. Mais pas besoin de démissionner, parce que c'est toujours pas faire comme un idéal. Mais au moins, donner une instruction pour venir nettoyer nos cimetières. Côte de Bagnon, carré présenté, c'est des gars de plus.